me more. Et toi, bam. Bon, les autres zombies ont l'air assez calmes, donc je vais les laisser tranquilles. Vous avez le droit à la vie pour une fois, même si vous êtes déjà mort, mais bon. Tout le monde a le droit à la vie après la mort. Tiens, pourquoi je passe par là, ça n'a pas d'intérêt. Hop là. Il en devient un véritable kangourou, dis donc. Kangourou? Mais il saute super haut, quoi. Oh, des griffes! Oh, des griffes! Oh, Nid! Nid grave les griffes. Nid grave les griffes. Merde, y'a mes griffes, ils sont par terre. J'ai plus de place dans l'inventaire, je crois. Ah, moi je m'en fous, je vais prendre les deux s'il faut, mais. En plus, c'est pour moi les griffes. C'est bon, j'ai réussi à les prendre. T'as eu les deux, toi? Non, j'en ai qu'une. D'accord, c'est toi qui a fait tomber tête de tout à l'heure. Bon, ah, on a droit à plus d'emplacements d'armes aussi. Ouais, au fur et à mesure, on a droit à plus d'emplacements d'armes. Vas-y, monte-moi ces griffes. Ah, pas mal. Faut voir ce que ça fait comme dégâts, quoi. Maggie! Bonjour, Maggie. J'en ai foutu de Maggie, moi je fouille. J'aurai Maggie après. J'aimerais bien trouver la quête principale. Faut bien avouer un truc, c'est dans Dead Island, les musiques sont quand même superbes. Moi je les entends pas. Je les entends. L'avantage d'être en live et pas d'être sur YouTube. Et j'ai aucun problème moi sur YouTube. Hein. Normal, tu monétises pas tes vidéos. Si, elles sont monétisées. Bah normal, t'es petit youtubeur. Tu trouveras toujours une excuse. Enfin, elles sont monétisées, mais pas pour moi, c'est RPM qui les active tout seul d'ailleurs. Hop là. Faut aller où maintenant? Bah je sais pas, je vois un 162 mètres avec des zombies. Ouais, c'est vraiment pas pour moi cette arme, elle est vraiment nulle pour moi. La griffe? Ouais. Bah moi la sonde elle est trop bien. On va plutôt prendre ce petit coup près. Ah ça, ça fait mal! Non, j'arrive pas à te rejoindre. Mais t'es où? Je sais pas justement. C'est par ici qu'il fallait aller. Reviens ici. Et puis j'ai sauté là. J'ai essayé tout à l'heure, ça passait pas. Je sais pas pourquoi. Parce que tu n'avais pas la puissance du kangourou. Je m'en fous de la puissance du kangourou, mais tu vois. J'aime pas ce bruit. Ah, c'est un homme lui, je crois que c'est un zombie, d'accord. Il est là ce bruit, il est là. Il est là, c'est ce bruit. Gros. Putain, mais ça saute pire qu'un kangourou, ce truc. Ah, mais oui, il y a monsieur le gros! Oh, comment je lui fais mal, c'est beau! Je vais me figer des petits 500, là. Ah, bah, moi aussi, ça m'a aidé à survivre. Je crois aussi que c'est parce que la griffe, je l'ai pas améliorée, alors que mes autres armes, elles sont améliorées à fond, forcément. Ouais, bah, moi, je l'ai améliorée, la griffe. Ça n'est de pas. C'est l'arme de plus cher, donc tant que je l'avais, mieux. Toi, tu restes par terre. T'as vu qu'on était suivi? Mais écoute, c'est cool. Pas d'autographe, s'il vous plaît. On verra ça plus tard. Et toi, par terre aussi, tiens, t'as combien? Je viens de lui infliger un 1000 avec le coup près, là. Oh, c'est moi le spécialiste des armes comme ça. Voilà. Tu as essayé de me couper, ben voilà, je te tranche la jambe et les bras aussi. J'ai pas vraiment fait exprès, mais bon. Il y a beaucoup de zombies quand même, la zone ouais, est... Ouais, j'avoue, je suis...
Allez, niveau supérieur. Boum, headshot. Moi je sais pas, mais j'aime pas ça. T'es dans une invasion de zombies, les mecs ils s'installent à côté d'une ville remplie de zombies, quoi. Rempli de gens. Ouais, peut-être qu'à la base ils étaient tous vivants, c'est vrai. Voilà, c'est ça le truc, c'est rempli de gens, pas de zombies. Encore? Putain, mais what the fuck? Vous allez vous calmer tout de suite là, hein? Allez, par terre. Bon, on va se rendre à notre objectif, enfin s'ils décident enfin de nous laisser tranquilles. Non, j'avoue. Bonjour! Oh, le petit 800 que tu as mis là. Pam! Un coup de tranchoir dans la gorge. Hop là, tête tranchée. Hop là, dodo. Je crois que Méa, tu ne m'as pas suivi. Non, je suis en train de me battre avec deux zombies en fait. Et moi, j'ai un foutu assassin. Coucou, assassin. Oh, c'est... Avant, il foutait deux coups, c'est pour ça que j'évitais les deux coups, mais maintenant, il en fout Waouh! trois. Bon, ben, je suis mort. D'accord, je viens de voir qu'en fait il y a un zombie avec une machette, mon gars il m'a buté. T'as vu? Ben, moi, je me bats avec un zombie voilé. Donc... Ah, des zombies musulmans, ça y est. Ça commence. Sinon, je suis pas loin de toi là, regarde derrière toi en fait. Tranchez là-bas! Enfin, maintenant, je suis plutôt à gauche. À droite. Bouh! Je sais, je t'ai vu sur le mur. Voilà, s'il nous attend. Ouais, j'ai pas trop envie de voir en fait. Je préfère courir vers l'objectif parce qu'on a respawn plus loin. Un succès déverrouillé, demi-cerveau. Tiens. C'est la réflexion, ça, typique, demi-cerveau. Oh! Et là, je viens de trancher la tête de deux zombies en même temps, c'était épique. Il a jamais aimé ça. Ah, j'aime beaucoup. Et bam le gros! Ah, il est pas vraiment gros, mais bon. Putain, le 20 000 que tu as mis en me sautant dessus. Ah, c'est un assassin. Ah, oh merde. Putain, je me demande si on peut leur sauter dessus, les assassins. Bah, fais-toi plaisir, il est là. Non, j'ai une idée. Tu vas faire la paf, fais la paf, vas-y. C'est pas con. Oh, j'en ai profité pour lui faire un petit coupage de tête. C'est pour ça que je garde mes spéciales, moi, pour les assassins, c'est plus simple. Encore un truc pour réparer mes armes. Ouais. Ah, parfait, mon couperet est blessé. Ton couperet est blessé! Bah oui, mon couperet est blessé. Il est vivant, mon couperet, il me J'ai bloqué un parle. succès, je sais pas c'est quoi. Et hop là, tête tranchée. J'ai débloqué un putain de succès, mais je sais pas c'est quoi! Oh! Je savais qu'il était vivant. Oh, une boisson énergisante. Tiens. Mais il y en a marre, putain, ils sont combien? Coucou! C'est quand même manger un 900. C'est pas vrai! C'est vrai qu'elle fait hyper mal avec les armes contendantes. Je regrette presque d'avoir pris la noire dans le premier, tu sais. Ah, moi aussi je fais hyper mal, mais avec les armes au corps à corps. Pourquoi la porte vient de s'ouvrir toute seule? J'aime pas ça. T'as vu ce qu'il y avait en bas? Ouais, il y a quelques petits monstres. Enfin, un petit, là-bas, il y a un assassin, mais bon. Par contre, tu en as marre du boss assassin, sérieux, vous allez le recevoir combien de fois? Il est facile à battre, vous avez pas compris? Et toi, par terre. Bon,
d'abord on élimine les contaminés parce qu'ils saoulent, et ensuite on s'occupe de l'assassin. C'est comment pour activer le spécial encore? Ben longtemps. Bah, je crois que j'ai pas de spécial en fait. Si t'en as forcément une, elle doit pas être chargée, c'est tout. Non, je l'ai jamais utilisé. Bah c'est bien très longtemps. Et c'est dans l'herbe des talents, donc ça tombe, je l'ai. Je rêve, on a réussi à faire tomber l'assassin. Si, si, on a réussi à le faire tomber. Du coup, on l'enchaîne, tu remonteras pas. Du coup, moi j'ai tout régé de ma vie sur lui. J'avais plus de vie. Pied de biche. On part dans la tête. Non mais sérieux, un pied de biche dans la tête, ça fait pas zéro dégâts. Bon d'accord, c'est pour le bien du jeu, mais bon. Oh le pauvre, il prend tellement cher. Bah moi j'ai ma vie sur lui en fait. Et dès que j'ai plus d'énergie, je recule et après je reviens sur lui et régénérer ma vie en fait. Je vois plus rien. Il m'a frappé, je vois plus rien. OMG. J'aimerais bien arriver à lui couper le bras, mais on sait plus les couper aussi facilement qu'avant en fait. Moi j'avoue qu'ils ont été un peu EP les assassins là-dessus. En même temps c'était facile, avant j'arrivais avec mon couteau, je lui coupais les bras et voilà. Étoile du matin. Bon, m'intéresse pas. C'est un crâne! Je dois avouer que c'est le genre d'arme qui m'intéresse pas du tout. Bah pourtant c'est une arme contondante mec hein. Sérieux? Bah oui, c'est une arme contondante ça. Bon, on aurait pas envie de faire les armes, bon alors je vais jeter un truc pour la tester. On va acheter la pagaie, tiens, à un moment donné. Arrêtez un peu de pagayer. L'arme, elle est où? Il est pas sur le boss. L'assassin. T'as acheté ta griffe, toi? Bah, elle doit être sur le boss, par contre, ça. Je vais m'en occuper après. Je vais la chercher, justement, ma griffe. Bah j'ai l'impression qu'il a des pop en fait. Donc j'ai jeté mon arme. Non il est là, regarde. Oh merde, la griffe a des pop aussi. Ah non, la griffe elle est là. Ah j'ai lâché l'autre arme à la place. Oh bah je vais prendre l'autre arme. Mm. Ça ressemble pas à un truc contendant quoi. Ça ressemble plus à une masse. Bah une masse c'est une arme contendante. Hop là. Voyons voir ça. Ouais, ça ressemble plus à un gros marteau en fait. Le mode feu liquide, on a. J'ai récupéré. Fichier secret partie 2. Ah, il y avait un mode là. D'accord. Alors, pour le mode clou, non, c'est pas ça. Pour le mode feu liquide, il manque des tiges d'acier et un briquet. Voilà ce qui manque pour le mode feu liquide. Ah, mais d'accord, je peux pas l'équiper parce que j'ai pas le niveau. D'accord, je viens de comprendre. Moi, je vais venir prendre le plan, alors. Un briquet, j'en ai un. T'as un point américain lourd, mais il faut être niveau 23 pour le porter, quoi. Ça fait un peu chier. Sinon un briquet j'en ai un. Ça fait un peu chier. Je vais passer le niveau moi. Bah, je vais retourner voir un petit peu là, 200 mètres. Bah, écoute. Voilà. Donc maintenant, récupération de santé lors de frappe critique, 15% de chance. Voilà. C'est dans la barre de survie ça? Ouais, bah, pour moi, parce que moi j'ai la barre de survie, mais après je sais pas pour toi. Et c'est juste... encore un magnifique. C'est incroyable. Il est 16h50, donc ça serait bien qu'on trouve un petit point de sauvegarde. Très sympathique. Parce que moi, je vais devoir arrêter bientôt. Ouais. Bah, il y a le frère qui va rentrer, il a fini à 17h. Ah ouais. Puis on a un peu enchaîné 2 heures, là, j'ai envie de... T'as envie de faire autre chose, c'est normal. Hein. Moi, ouais. Je suis un peu pareil, je suis un peu... Oh un gros. Coucou. On va te découper un petit peu mon ami. Tu vas arrêter quand maintenant hein? Quand on a le point de sauvegarde.
J'ai pas envie de vouloir de recommencer la prochaine session non plus. J'avoue. Je vais mourir. Mais en fait, je t'ai pas attendu, j'ai rushé comme un gros porc. T'aurais peut-être dû m'attendre du coup. Hop là, arme blanche, niveau de compétence 2. Voilà, KO lui. Et vlan ! Avec la petite cinématique ralentie, c'est magnifique. Par contre, je vois qu'on gagne des niveaux de compétence dans les armes, mais... Ouais, faut regarder le niveau compétence, je crois qu'il y a un truc. Je sais pas exactement comment ça marche, mais... Ah d'accord, en fait, quand tu restes dessus, tu vois l'effet que tu gagnes à chaque fois qu'elle monte de niveau. Ah, donc faut rester tout le temps sur la même arme pour être bien. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je restais tout le temps sur la griffe. Vu que c'est les armes qui sont mes armes de prédilection. On va chercher un petit point de sauvegarde. Je suppose qu'en allant rendre la quête, on va se choper un petit point de sauvegarde. Donc, il suffit de s'y rendre. Hop, toi, tu meurs. Donc maintenant, comparé à avant, il y a aussi un système de montée de niveau des armes. Donc, c'est pas plus mal. Et voilà. Ah, ça le one-shoot! Ah, ça fait très mal l'attaque tombée quand il la propose avec le X. Bah oui, bien sûr, ça fait très mal. Je fais du 20 000 moi, quand je tombe. Ça, j'aime trop le mec, le fait de manger tranquille, bam! Mais bah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il y a tout le monde derrière nous. Ah, effectivement. Et bah, t'apprends du zombie alors. Façon, non, moi je tapais parce que j'avais besoin de régène, j'avais besoin de faire des critiques pour régène. Quand même, je dois avouer, j'ai beaucoup râlé sur le prologue, mais là je dois avouer que ça me plaît bien. Même si les quêtes se finissent trop vite selon moi, mais bon. Bah il sera vite fini quoi, il est bâclé le jeu. Mis à part ça, il est bien. Donc, il est où le point rouge là? Il est ici. Là. Mais je crois qu'il est dans la maison en fait. Ouais, j'y suis là. Point de sauvegarde. Ça veut dire qu'on peut arrêter. Une pelle féroce, ça m'intéresse. Effectivement. Ouais, comme ça, tu pourras leur rouler des pelles. Du coup, je vais jeter le couteau, hein, le couteau de cuisine. Je m'en camponne du couteau de cuisine. Un truc le couteau de cuisine, tu peux le jeter depuis le début quasiment. Tout ce qu'on trouve derrière. Eh ben, réflexion, c'est une bonne reprise, moi je trouve, c'est bien amusé. Je sais pas ce que t'en penses. C'est une bonne reprise, le jeu est très amusant. Le prologue était très chiant, donc excusez-nous si on a râlé. Moi non, excusez-nous pas si on a râlé, mec, c'est normal que le prologue était chiant. Je vais augmenter le truc de... Quoique je suis plus susceptible de mourir, mais là je vais compléter tous mes points après, je pense. Mon niveau aux armes contendantes, il est niveau 2, aux armes blanches, il est niveau 1, et aux armes au coup de poing, il est niveau 1. Donc, faudra que je regarde. Les armes pugilat. Ah ouais, effectivement, les marteaux, ils les appellent les armes contendantes, mais moi, c'est les armes blanches que j'ai besoin. Quoi qu'attends. Les armes tranchantes. Ah, moi, il faut qu'elles soient tranchantes, c'est tout. Donc, à mon avis, c'est après, machette, tout ça, ouais. Bref, en tout cas, les amis, moi, je vais couper le record. Donc, c'était Réflexion en compagnie de Méa. Ciao, bye bye. À plus, Réflexion. Feed me more.